Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, la caméra est pas au même endroit que d'habitude, je crois qu'elle est au centre, au milieu. Voilà, donc c'est une petite vidéo que j'avais envie de faire. Donc vous voyez, on fait la vidéo, là on est début octobre. Vous la verrez un peu plus tard. Mais c'est voilà, c'est pour voir au jour d'aujourd'hui, même si ça se dit pas, je sais que c'est pas français, mais j'avais envie de troller comme d'habitude. On va voir quelles sont les 30 vidéos sur la chaîne que vous avez le plus aimées. Et on va en parler un petit peu. Voilà, donc ça fait un an que la chaîne, en tant que chaîne prépa, elle existe. Je pense que, avec toutes les vidéos qui doivent sortir en ce moment sur le fait que je dis « Ah, oh, c'est là un an, c'est là un an, c'est là un an », vous devez le savoir. Mais là, on va regarder du coup ce qui vous a le plus plu. Et voilà, on part de la 30e, donc de la 30e. Conseil pour les futurs élèves. Donc ça, c'était une vidéo que j'avais faite juste avant, bah voilà, 23 juin, juste avant les vacances. J'avais tourné cette vidéo pour vous dire, bah voilà, il va y avoir, vous expliquer le programme de l'été, comment ça allait se passer. Une vidéo très sympa à tourner et qui apparemment vous a plu, vu que sur les 450 vidéos qu'il y a sur la chaîne à peu près, elle se situe à la 30e place. À la 29e place, les voix du net, la finale. Je suis content qu'il y ait les voix du net parce que c'était un projet qui m'avait pris pas mal de temps. D'ailleurs, ils ont le même nombre de vues et qui m'avait demandé beaucoup d'organisation. Donc, que ce soit dans le top 30, sûrement pas fait indirectement par vous parce que vous n'êtes pas là pour la musique. Mais je suis content qu'il y ait des vidéos de cet acabit qui y figurent. Ça fait longtemps que ce mot n'a pas été utilisé, je pense. À la 20. à la position juste avant, je sais que c'est 28, mais bon, je ne vais pas m'en rappeler, je sens. Donc, juste après, nous avons les trois piliers pour réussir sa prépa. 2 minutes 25, 1700 vues. Bah, ça avait dû bien vous plaire. Je m'en souviens, il y avait eu pas mal de commentaires dessus. On avait eu un échange avec quelqu'un et il a supprimé ses commentaires. Mais voilà, donc les trois piliers pour réussir sa prépa, c'est l'une des 60 vidéos sur les études supérieures qu'il y a eu cet été. Ensuite, nous avons MPSI VSMP. Alors, sachez que je ne sais pas le classement, c'est-à-dire j'ai pris les 30 premières vidéos, je suis descendu tout en bas, j'ai zoomé un max et je vois pas les titres. Donc, je me rappelle de vue ce que c'est les premières, mais ce qu'il y a au milieu, je me souviens absolument pas et ça me fait très plaisir de voir cette vidéo qui apparaît ici. C'est la première vidéo où je suis en binôme avec Claire et on vous annonce qu'on va être deux sur la. Sur la vidéo, je vois chaussettes, carottes et pois chiches, sans oublier la betterave. Enfin, on a mis une description, what the fuck. On avait tourné en plusieurs fois cette vidéo et c'est pas mal de bons souvenirs. Je pense pour les 1 an de la vidéo, je vous sortirai tous les dossiers parce que j'en ai plein des dossiers de cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mais vraiment, sur cette vidéo en particulier, j'ai plein de dossiers, c'est-à-dire plein de toutes les prises qu'on a ratées. Ensuite, la déprime en prépa, une de mes préférées que j'ai tournée cet été. Elle dure que 2 minutes, mais vous avez été beaucoup à m'en parler, à m'envoyer des retours par message et tout, en me disant ouais, elle était vachement cool, etc. Vraiment, déjà rien que l'intro, les 5 premières secondes, pour ceux qui l'ont pas vu, regardez les 5 premières secondes. Genre, faut pas déprimer, mais vraiment, je pense que le jour où je déprime, je regarderai cette vidéo. Alors, j'ai pas regardé mes propres vidéos. Ça, il y en a qui se demandent, est-ce que tu regardes toutes tes vidéos? J'en regarde aucune, c'est-à-dire que je fais la vidéo, limite, parfois, je la regarde même pas pour voir si elle est bien, si je me dis bon, ça ira, je pense, on verra. Mais celle-là, je pense qu'un jour, si un jour je déprime, je la regarde, mais moi j'étais de bonne humeur et tout, et il y en a pas mal à qui ça a donné le sourire, donc peut-être j'arriverai moi-même à me donner le sourire. Ça fait un peu bizarre de se rendre service soi-même, mais bon. Ensuite, première vidéo compte rendu de Claire, comment galérer à rattraper ses cours. Voilà. C'était son tout premier compte rendu. Trois citations pour ta dissertation sur Le Banquet. Alors, Le Banquet de Platon. Eh oui, l'un des trois livres de l'année dernière, donc ça vous a beaucoup plu ce type de vidéo aussi. 1 an de prépa, le bilan. Donc voilà, le bilan de la classe préparatoire. Les bilans, les notes en fin de semestre et tout, ça aussi, vous aimez bien, ça vous plaît en général. Mes vœux Parcoursup pour la MPSI. Si j'avais attendu, il me semble, il n'y a pas le titre complet. Voilà, si j'avais attendu. Donc voilà, c'était le détail des scores et tout. Donc ça c'est souvent en période Parcoursup que vous regardez ce genre de vidéo. Peut-être vous regarderez un jour cette vidéo si vous êtes en première terminale. Parce que vous cherchez à vous renseigner, etc. Et souvent, bah, les gens, s'ils tapent MPSI, vœux Parcoursup, bah, ils peuvent tomber sur celle-ci. Les places assises en prépa. J'ai fait cette vidéo, quand j'ai écrit le titre de cette vidéo pour me dire qu'il fallait que je la fasse, j'aurais jamais pensé que ça vous intéresserait. Je me suis dit, c'est une vidéo, je suis pas sûr. Enfin, les places assises en prépa, comment tu peux faire une vidéo qui peut plaire en parlant de ça? Et au final, elle a bien fonctionné, elle vous a plu. Donc je me suis dit, bon, bah, tant mieux, écoute, tant mieux. Ensuite, un autre compte rendu de Claire, je ne sais pas le combien c'est, il manque le chiffre. 10 avril, ça doit être son deuxième. Son deuxième ou son troisième. High level de panique. Et oui, juste avant les concours.
Transition terminale prépa, que faire? Une vidéo que j'ai tournée à l'arrache qui n'était pas prévue dans le rush des 60 jours. Donc j'ai tourné, on voit que c'est chez moi, comme ça, sans éclairage ni rien. Mais c'était un thème important que je voulais aborder, donc c'est pour ça que je l'ai un peu tourné à l'arrache, etc. Mais le contenu à l'intérieur, je pense, est intéressant et on voit qu'il vous a plu majoritairement. Vous êtes 2200 à l'avoir vu et presque 100 personnes à l'avoir aimé. Où vais-je l'année prochaine? Eh oui, la vidéo dont je savais personnellement depuis le mois de février ou mars que j'allais aller à l'IPSA. Mais je préférais pas vous en parler parce que je m'étais dit, bah, sinon vous allez croire que je travaille plus en MPSI parce que je sais que je vais redoubler, alors que c'était pas le cas. Donc voilà, c'est cette vidéo très longue et très explicative, mais je pense qu'elle était nécessaire. Voilà, elle vous a plu aussi, donc tant mieux. Ah, les chapitres de MPSI, bah normal, pour ceux qui veulent aller en MPSI, normal que cette vidéo vous intéresse un peu plus que les autres. Ensuite, le sujet de maths, le sujet de bac, de maths scientifique. Et oui, on en a parlé, etc. On a étayé dessus pendant un quart d'heure. Et ça vous a plu aussi. Bah, souvent, les gens ils veulent voir le retour, voir s'il y en a qui en ont parlé et tout. Donc peut-être qu'il y en a qui ont marqué ça sur Google et sur YouTube et qui sont tombés sur la vidéo. Mes bulletins de première et de terminale. Donc ça, bah, c'est mes notes. Parfois, il y en a ils veulent savoir les notes pour comparer. Peut-être ça a été votre cas. Donc voilà, c'est les vidéos de résultats scolaires. Souvent, ça vous intéresse bien. MP, compte-rendu numéro, on voit pas le numéro. Non, on peut pas le savoir. 2 avril, donc ça c'était avant le 10 avril, donc ouais, c'est dans les premiers comptes rendus. Et oui, les révisions juste avant les concours. Mes vœux et rangs Parcoursup, donc ça c'était tous les vœux que j'avais fait, les rangs que j'avais eu, etc. Donc la vidéo 11 minutes, vraiment c'était où j'avais tout détaillé ça. Ça ressemble un peu à la MPSI, mes résultats si j'avais attendu, mais sauf que là c'est les rangs que j'ai eu, combien de temps j'ai mis à avoir une prépa, enfin vraiment tous ces petits détails. Et voilà, ça a fait cette vidéo. Trois citations sur la chartreuse de Parme. Donc voilà, pareil que l'autre des trois citations. Sauf que la chartreuse de Parme vous a quand même un peu plus intéressé que le banquet de Platon. Voilà, c'est un fait. Physique-chimie, donc vous avez été plus intéressé par contre par le bac scientifique physique que le bac mathématiques. Ok, c'est des infos intéressantes. Mes classeurs en un semestre. Oh, ils étaient déjà bien remplis. Ça fait beaucoup en un semestre tout ça déjà. Je pense pas que j'aurai autant cette année parce qu'il y a pas mal de cours qui sont numériques. MP, comeback, les concours. Oui, la vidéo de Claire, son avant-dernière vidéo qu'elle a faite actuellement. Et après, elle a mis 3 mois pour faire la suivante. Donc, c'était les retours sur les concours. Elle avait plus de téléphone. Donc, on voit que ça tourne sur mon ordi. Derrière, c'était mon fond d'écran, etc. Donc, sur l'ordi, là, que vous voyez. Et voilà. Donc, on passe maintenant la barre symbolique des 3000 vues. Fiche à venir. Bah, ma fiche à venir, les résultats que j'ai eus, comment dire, les points que j'avais et tout. On dirait que c'est. Il y a un truc qu'il faut savoir, une petite anecdote, c'est cette vidéo est faite pour ça aussi, pour vous lâcher plein d'anecdotes. On a l'impression, enfin moi quand je vois ça, j'ai l'impression que j'ai fait un découpage de l'image, que j'ai fait une capture d'écran, que je l'ai collé et que j'ai mis un contour orange. En fait, je sais pas, c'est juste la feuille que j'avais imprimée, que j'avais posée sur un cahier orange et je l'ai montré comme ça. Et c'était pas voulu que ça fasse un détour, mais au final je trouvais que ça rendait bien le détour orange, comme ça faisait un contraste et tout. Sympathique. Le concert de Kikessa. Alors ça, bon je sais que voilà, mais. Le concert de Kikessa, c'est la musique, donc il dure 31 minutes. C'est des extraits du concert, et franchement, super moment. Vraiment, super moment. Et il y en a de plus en plus qui viennent le voir souvent, parce que comme il sort des nouveaux sons et tout, il y en a quand il tape concert Kikessa, bah, il tombe sur la vidéo. Et vraiment, je trouve cette miniature, elle est pas mal aussi. Je ne l'ai pas choisie. Vous savez, il y a trois miniatures imposées, et celle-ci, je la trouve vraiment géniale, avec le mec qui fait comme ça, et Kikessa comme ça et tout. Je trouvais que ça rendait bien. Lundi, c'est oui, parce qu'il y a eu une énigme sur Kikessa. Et ça a été la première vidéo qui a fait vraiment beaucoup de vues d'un coup. Genre, bah, elle a dû faire 3500 vues en 2 jours ou en un jour. C'est vraiment pour résoudre les énigmes et tout. J'avais fait voilà, des petits hors-sujets comme il y a écrit. Et vraiment, les gens ils sont tombés dessus parce qu'ils voulaient résoudre l'énigme. Et franchement, on était à fond sur l'énigme. Et franchement, bah, les gens ils sont venus voir. Ils sont venus voir, pardon. Comment trouver tes futurs camarades de classe? Bah, là, on fait un bond de 3700 à 5154 vues. Ça, c'est énorme. Et oui, parce qu'il y a des méthodes pour trouver ses camarades de classe. Et comme par hasard, cette vidéo, je l'ai sortie en juin. Moi, bon, elle a fait des vues. Et juste avant la reprise d'août, genre les 15 derniers jours, elle a fait. Est-ce que vous avez tous cherché vos camarades de classe pour les trouver 15 jours avant? Donc c'était assez fun. Donc voilà, c'est des astuces, des moyens que vous pouvez prendre. La prépa, c'est fini. Et oui, la vidéo de Claire du 27 août, sa dernière en date, pour dire que la prépa, c'était terminé. C'est la première vidéo. Oh, là, on voit les bons. 3700, 5100. Une vidéo à 10 000 vues. Donc, je sais pas combien il y en a à 10 000 vues, mais voilà. Elle fait partie, je pense, du top 5. Ensuite, nous avons la vidéo du TIPE Océan. 12 000 vues.
Donc pour savoir, c'est des idées, des suggestions de sujets pendant 2 minutes. Donc pendant 2 minutes, plein d'idées que je vous donne comme ça. Et bah, vu que le TIP Océan, c'est le thème de cette année, bah, il y en a plein qui sont allés la voir. Mais quelle est la première vidéo, ou le top 2, ou le top 3? De mémoire, il en reste deux. Ouais, il en reste deux, c'est ça. Donc je crois que celle-ci est la deuxième vidéo. Donc le thème de français avec Claire quand on a fait la démocratie. Donc c'est les livres de l'année d'avant. C'est pas les livres de la démocratie, c'est les livres de l'amour. Mais en fait, j'ai su le sujet le matin. Le soir, Claire, elle venait pour qu'on tourne bah, une des vidéos parce qu'elle utilisait mon décor, quoi. Et je lui ai dit, bah, vas-y, il faut qu'on tourne la vidéo pour le français, etc. Et tout. Elle fait, ouais. Et on a tourné la vidéo pour le français. Et au final, bah, comme c'est la première vidéo, il me semble, sur le thème de la démocratie que vous pourriez trouver sur YouTube, c'est la plus ancienne, bah, parfois elle remonte plus et bah, les gens tombent dessus, regardent et s'informe sur les livres qu'il y a à lire pour cette année. Bon, maintenant, ceux qui tombent dessus, c'est un peu tard parce que on dit juste les livres, on sait pas de quoi ils parlent, on connaît pas encore le contenu, on lâche deux trois anecdotes, mais pas plus parce que ça, c'était vraiment le jour J où on a su le thème, quoi. C'est comme si vous regardiez un teaser d'un film qui est déjà sorti, bah ça a plus le même intérêt. Et la première vidéo qui a passé la barre des 15 000 vues, c'est le compte rendu MPC Long, sorti le 18 avril. Et ça, cette vidéo, c'était un compte rendu de Claire. Et je me souviens du matin, un matin je me réveille et je vois que sa vidéo elle a fait pouf, genre elle était à 2000 ou 3000 vues. Je fais, Claire, ta vidéo elle va percer. Elle m'a fait, mais non, ça va s'arrêter et tout. Et elle est montée jusqu'à 8000, 10 000. Donc voilà, et là elle est à 17 000 vues. Donc si on doit faire le top 5 des vidéos, donc il y a un compte rendu de Claire, la démocratie, l'océan, la fin de la prépa pour Claire et comment trouver tes futurs camarades de classe. Donc c'est bien, ça diversifie, genre je veux dire. Il y a deux vidéos où je suis tout seul, deux vidéos où elle est toute seule, et une vidéo où on est à deux. C'est complètement équilibré, ça c'est pas mal, même si c'est vrai que ses comptes rendus font plus de vues parce qu'elle en sort moins souvent et tout, etc. Mais je veux dire, moi je trouve ça cool que bah, ce soit assez réparti parce que c'est notre chaîne à deux, donc tant mieux qu'il y ait du contenu. Le plus beau ça aurait été que ce soit une vidéo qu'on ait fait à deux, genre la démocratie qui soit devant, mais elle est en deuxième position, c'est pas mal du tout. Et quand j'y pense, 17 000 vues, 15 000 vues, 12 000 vues, c'est énorme. On le dit pas assez, mais c'est énorme. Moi, je réalise pas honnêtement. Genre 218 likes sur la vidéo, c'est démentiel. Donc tout ça pour vous dire merci aussi. Au passage, vraiment merci à tous de bah, tout simplement d'être là, de regarder les vidéos, de nous soutenir, de nous laisser des commentaires. On répond à tous les commentaires. Vraiment, on fait au maximum de ce qu'on peut. Et vraiment, bah, merci à tous d'être là depuis un an. Ça fait le petit bilan des un an. Donc un peu en avance, certes, mais bon, les vidéos, elles vont changer de quoi quelques centaines de vues d'ici 10 jours. Je pense pas qu'au maximum, il va pas y en avoir une de 50 vues qui va passer à 15 000 vues d'un coup. À moins qu'il y ait vraiment un gros coup de théâtre d'une petite vidéo. Mais voilà. Donc c'était intéressant, je pense, de faire ce classement pour voir un peu ce qu'il en ressort de l'esprit de la chaîne et des 30 vidéos les plus vues. Et je pense qu'on s'amusera à faire le même l'année prochaine. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'un peu là, lancez vos paris. Quelle vidéo sera première dans 5 ans? Dans 5 ans. Dans un an. Est-ce que ce sera une vidéo du top 5? Est-ce que ce sera une autre vidéo qui va sortir? Est-ce que c'est une vidéo sur un thème? Enfin, vraiment là, honnêtement, il y a un an, si on m'avait dit déjà qu'il y avait une vidéo qui faisait plus de 15 000 vues, honnêtement, il y a un an, honnêtement, hein, j'aurais pensé 5 000-8 000 vues, dans le meilleur des cas. Mais le 17 000 vues là qui est lâché, 15 000 ensuite, 13 000, enfin c'est énorme. C'est énorme. C'est tout, c'est beaucoup trop. Mais merci à tous. Donc voilà, donc personnellement, je pense que, je sais pas, est-ce que dans les vidéos du top 5, bah, je pense qu'il y a très peu de vidéos en fait qui vont réussir à les dépasser. Mais il y en a d'autres, je pense, c'est des nouvelles vidéos qui vont bien fonctionner. Mais on verra lesquelles. C'est la surprise. Donc voilà, donc je pense avoir fait le tour des 30 vidéos. Voilà, donc on a fait le tour en passant par conseils pour les futurs élèves, les voies du net, les trois piliers, bon courage, la déprime en prépa, comment galérer à rattraper ses cours, trois citations sur le banquet, un an de prépa, le bilan, mes vœux Parcoursup, les places assises, high level de panique, transition terminale prépa, où vais-je l'année prochaine, chapitre de maths, sujet de maths, bulletin première terminale, les révisions. Mes vœux en Parcoursup, la Chartreuse de Parme, sujet physique-chimie, classeur en un semestre, les concours, Parcoursup, kicker ça, trouver tes futurs camarades de classe, la prépa c'est fini, le TIP Océan, le thème français, et enfin pour terminer, MP, c'est long. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!